Hello tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Ok. Et Sibel nous accueille avec un bon gerbobo, une bonne gerboise, un bon gerbement. Ça fait toujours plaisir. Eh ben, hein, bah t'es bonne pour nettoyer, non mais oh, tu crois où là? Ouais. On n'est peut-être pas à Byzance, mais on n'est pas non plus chez les crados du coin, quoi, à 5h du mat. Bon, et après, tu vas finir ta nuit. Parce que quand même! Ah, puis, ah, c'est dégueulasse. Bref. Donc, la dernière fois, nous avions eu un bébé. Frida, que nous avons ici. Et c'est bientôt son anniversaire. Et oui. Et la déception fut très très grande pour moi, puisque nous n'avions qu'une seule. Un bébé, un seul bébé au lieu de trois ou quatre, comme j'aurais voulu qu'il y en ait. Donc, tu vas lui changer la couche, tu vas la nourrir et tu vas la bercer. Mon joli Louis. Voilà, hein. Elle fait très foncée de peau quand même, Frida. On verra bien. Et donc. Cybèle est bien sûr encore de nouveau enceinte. Et comme j'ai mis dans les caractéristiques de terrain que c'était un alignement cosmique propice aux jumeaux, cette fois-ci on en aura. J'espère, hein, parce que franchement, ça va me gaver sinon. Tu vas babiller et puis tu vas servir le petit déj, tiens. Je suis pas sûre que tu saches cuisiner, toi, tu vas nous foutre le feu. En même temps, non, il sait pas cuisiner. Mais j'ai mis le truc anti-feu là. Voilà, il est là. Donc logiquement, même s'il y a le feu, personne ne devrait mourir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La dernière fois aussi, notre coco a vieilli. Et bah, je pense pas la rajeunir encore une fois. De toute façon, faire des enfants avec les chiens et les chats, c'est un vrai calvaire. Donc voilà. Au bout d'un moment. Moi, j'abandonne. Bon, alors voilà. Bon, elle n'a pas fini sa nuit si belle, mais on va lui faire faire ses petites affaires. Bon, alors. Elle vient de nous regerber dans les toilettes. Si belle, là, sa grossesse ne passe pas du tout. Hein. Ne passe pas du tout, du tout. Et alors, voilà, j'ai invité Pissy sur le terrain. Ouais, il doit avoir peur du truc qui fait de la musique encore. Parce que, ben, vu que maintenant on est plus que 4, on va l'adopter. Comme ça pourrait être pas mal, hein. Ah, je peux pas l'adopter? Bon, on va voir. De toute façon, on va remplir la gamelle aussi. Il y en a un qui fait son beau là. Jérôme, son père, non. Bah, si tu vas bien, mon petit, tu vas pêcher. Puis il faut vraiment qu'on se bouge pour aller pêcher ailleurs aussi. Paf, voilà, tu vas pêcher comme ça, c'est déjà pas mal. Parce qu'en plus, comme elle doit faire son aspiration et gagner des points. Avec 5 animaux, quand même. Compagne d'un animal, elle corrigeait de mauvais traits. Faire connaissance. Et je sais pas. Il est anarchiste. Ah bon? C'est peut-être pour ça qu'il a fait pipi chez moi la dernière fois. Prendre dans les bras. Bah, je sais pas, on peut pas l'adopter pour l'instant, je verrai bien. J'ai Louis qui vient de choper une bête plein de vaches. Attendez. Ouais. Voilà. Au cas où ça pourrait nous servir, je sais pas à quoi, mais pourquoi pas, quoi. Et j'ai demandé donc à Cybèle de continuer son bouquin. Et bien sûr, entre au bord de la gerbe, c'est toujours agréable. Compétence niveau 6 pour la pêche. Tu es balèze, mon gars.
Tu es archi balèze. Malaxage qui soulage, toilette améliorée. Mais mon Dieu, j'avais pas envie de savoir ça, mec, hein, vraiment pas. Frida, la dégueu! Et de nouveau cracra! Bon, après, elle était hyper sage, donc c'est pas mal. Tu vas l'allaiter. Par contre, s'il te plaît, arrête ça. Et tu vas bercer tout ça, et hein? On va se dépêcher un peu, parce que j'en ai marre de l'entendre hurler. Ah oui, c'est vrai, on voit pas. Ah ben non, hein, quand même, hein, ne voyons pas ça, c'est, hein, bon. Il continue de pêcher. Hop, la fifille. Alors, à votre avis, elle sera brune ou blonde? En fait, comme les cheveux de Cybèle, c'est des CC. Je crois que quand c'est des CC, ça prend pas en compte la couleur. Du coup, je suis sûre que Frida sera blonde. Ah non, hein. Ah oui, si, vas-y, va pisser. Non, mais j'ai cru qu'elle allait encore gerber. Louis a attrapé une fraise. D'ailleurs, en parlant de fraises, avant de manger du gâteau, tu vas manger encore des fraises que t'as dans ton truc. Pour qu'on s'assure que ce soit des filles. Bon, après je dis des, mais franchement, si c'est pas. Si c'est pas plusieurs filles, là je pète un câble. Voilà, petite fraise. Une petite dernière pour la route. Ah ouais, c'est trop drôle. Et tu vas finir. Non, c'est pas ça. Tu vas finir de faire ton bouquin. Parce que. On va avoir besoin de sous, hein. Niveau 4 d'écriture pour Cybèle. Elle met le temps pour écrire son bouquin. Franchement, je trouve qu'elle abuse un peu. Hein. Ah, les cocottes! Ah, les cocottes! Oh! Frida vieillit! Oh, hey! Elle est blonde! Oh, la coupe! Ah, ce CC, il est trop affreux. Alors, eh ben, c'est cool. Je vais la faire charmeuse. Elle est archi blonde même. Oh là là! Elle a les joues de sa mère. Zut! Oui, la couleur des yeux de son père. Les cheveux sont affreux. Voilà, à peine elle grandit qu'elle bouffe ses trucs. Bon, tu sais, cocotte, ce que tu vas faire, on va te relooker tout de suite maintenant. Où est-ce que j'avais mis un miroir? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Et prévoir une tenue. Et puis comme ça, on va pouvoir te relooker tout de suite. Et voilà le monstre. Voilà à quoi ressemble Frida. Alors bon, elle a les méga pommettes de sa mère. La couleur des yeux de son père. La forme des yeux, je pense que c'est la mère parce qu'elle a des grands yeux. Donc, bah, à voir. Bon, par contre, je vais lui changer les cheveux parce que c'est juste pas possible. Ah, est-ce que c'est. Il faudrait vraiment que je la supprime. Mais elle était blonde, hein, on est d'accord. Ah, ça, c'est pas beau. Oh, c'est mignon. Par contre, ah, ouais, elle a vraiment lavé les pommettes et le menton de sa madré, hein. Ça lui cache un petit peu. Ouais. Ça, c'est chouchou. En plus, la robe, elle va bien avec ses yeux. Allez, on va rester là-dessus. Les petites pantouflettes, je ne sais pas quoi, là. C'est un truc un peu turquoise. Hein. Ça, voilà. Soirée, on s'en fout. De toute façon, on fera jamais. Mais bon. Voilà. Petite chaussure. Blanche. Le pige-pige! Alors non, alors. Le pyjama sans lunettes, parce que ça sert à rien. Le petit pige. Allez, oh, bah c'est chou comme ça. C'est quoi? C'est des éléphants. Des girafes. Tenue de fête. Moi, je mets souvent des robes, hein, parce que comme ça, je m'embête pas. Elles sont les bambins. Hop. Voilà. C'est super mignon. Et on va mettre aussi les chaussures. Une rose, bah non, bah les chaussures noires et blanches comme ça, c'est super mignon. En tout cas, voilà pour Frida. Bah quand même, hein, j'ai l'impression donc qu'elle a la bouche
du père, le nez de la mère. Malheureusement, pommettes et menton, c'est pas terrible, terrible. À voir quand elle sera plus grande, hein, on pourrait être surprise. Alors, Cybèle a terminé son livre et on a déjà une première colère de la part. La nouvelle est courte. D'accord. Tu vas faire les deux, je sais pas. Oui, alors on a une colère de la part de Frida. Parce qu'elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, tu vas pas, tu es donc! Oh là là, quelle saloperie! Elle est censée être charmeuse, hein, ça se voit pas. Hein. Oh là là! Alors, ah oui, c'est vrai, recette pour animaux. Ben non, tu vas juste ouvrir. Il y a plein de manger. On va te servir ça, ma petite Frida, et tu vas bouffer de la salade. Voilà, ça te fera les pieds. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Demander à boire à Louis. Demander à se faire lire un livre et jouer avec des cubes. Très bien. En attendant, tu vas manger. Maman. Maman, tu... Lire des bogages. What? Ok, c'est... Ouais, il y a un petit bug dans mon jeu. C'est quoi ça? Oh, arc-en-ciel. C'est mignon. Oh là là, mais arc-en-ciel, il bave. Hein. Ouh, arc-en-ciel, t'es crade. Oh, pauvre petit poisson. Poisson, parce que je dis poisson, okay, ça me fait mal. Non, non, mais c'est bon. Enfin, si tu veux, ouais. Tu fais la plus amicale des ami des amications. Oh là 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 là, des présentations. Il bavouille. Oh, le pauvre petit chouchou. Oh, il est malade. Ça me fait mal au cœur. Moi, j'aime pas ça. Hein? Elle serait pas déjà amie avec, non? Hey, Adélaïde. Non, bah non, tu vois, nous, on est un peu très enceinte et je préférais que... Reste à la maison pour prendre soin de moi. Qu'est-ce qui se passe? Manque de confiance. Ah oui, parce qu'elle est jalouse. Frida, elle fait quoi? What? Comment elle a fait pour descendre? Mais les bambins, ils savent pas descendre les escaliers, normalement. Ben alors, je comprends pas. Ils ont fait une rectif. Maintenant, les bambins, ils peuvent monter les escaliers. Ah, c'est cool, parce que c'est vrai que c'est chiant. Bon, ben voilà, hein. Parce que bon, elle est pas indépendante ni rien. Enfin, niveau motricité et tout, on peut pas dire que... Ouais, non, normalement, elle pourrait pas monter. Bon, je la fais... Faudrait que je la refasse bouffer. Mais c'est pas grave. On va faire ça. Et regardez un peu. J'ai comme qui dirait oublié de mettre de la lumière dans la chambre de la petite. Et personne ne l'a vu. Alors franchement, là, vous me décevez. Hein. Vous me décevez. Hein. Là, non, non, ça va pas, quoi. Alors, parce que je me souviens pourquoi. Parce que je voulais absolument mettre la lampe nuage. Voilà. Et que du coup, j'ai complètement zappé de la mettre. Voilà. Alors, apparemment, on peut mettre d'autres couleurs aussi. Ça pourrait être sympa. Jaune. Allez. La chambre est déjà jaune. C'est pas très beau, hein, on dirait un truc rempli de pipi, mais bon. On fera avec, hein. Et puis au moins, elle y verra quelque chose. Tiens, Cybèle, tu peux refaire la maison. Tu vas pouvoir discuter avec ta fille aussi un petit peu. Donc ça. L'autre, elle s'énerve. Hey. Ouh, qu'elle est chiante. Quelle est chiante, quelle est chiante. Et puis après, on la mettra au lit parce qu'il nous faudra la paix pour le reste de la journée. Regardez comme c'est mignon. On avait Frida et Coco l'une à côté de l'autre par terre. Tout va bien, quoi. Alors, comme Cybèle, elle commence à être bien crevée. Ouais, elle va s'occuper de sa gosse. Bon, elle va un peu parler à la pauvre Coco, parce que la pauvre Coco, ben, on s'en est pas du tout occupé, quoi. Pauvre chienne. Voilà. Et puis tu vas raconter une histoire à ta fille pour qu'elle s'endorme et qu'elle nous foute la paix.
Albert Roche, he fire. C'est l'histoire d'un dinosaure vert avec des écailles, des pointes rouges, et d'un autre dinosaure vert avec des pointes rouges. Oh, et puis ça a changé. Maintenant, il est jaune, en genre T-Rex, avec un fond violet. Bah ok, bah si bête, tu peux être couché. Hein. On va pas tergiverser, on va pas te faire endurer plus que ça. Et notre Louis qui lui est aussi en sale état. Continue de pêcher. Bon, allez, vas-y, arrête de pêcher. Tu rentres à la maison. Parce que t'as bien bossé pour l'instant. Oh, joli poisson. Bon, alors, ils nous ont tout pété dans la baraque, là. C'est comme ça bien faire. Bon, Louis, je le remonte un peu dans ses besoins. Et après, il va se coucher. Tac. Ça fait des sous. Pas beaucoup, mais ça en fait. Et après, mon gars, tu peux aller dormir. Par contre, effectivement, la lumière, il faut qu'elle s'éteigne aussi en éclairage automatique. Parce que sinon, ça va pas le faire. Allez, bonne nuit, les Ugly. La Ugly Family. Coco aussi, tu peux dormir. Voilà. Et nous, on enchaîne sur la journée d'après. Bouh. On commence avec une Cybèle qui a la dalle. Et elle est combien? Elle a toujours ses nausées. Et, s'il te plaît, laisse-moi voir. Deuxième trimestre. Troisième trimestre dans 5 heures. D'accord. Bah écoute, bonne app, hein, ma belle. J'espère que tes futures filles auront des plus jolis traits que Frida. Alors, Cybèle est d'humeur enjôleuse, donc je vais lui faire commencer un bouquin de type amour. Amour et rock'n'roll. Comme ça, bah, voilà quoi. Toujours la compétence écriture, toujours pour pouvoir gagner un peu d'argent et surtout payer les factures. Ah, quoi ? Oh punaise, oui, parce que j'ai fait replacer la douche sans regarder à la dépense. Ah! Bon, bah, je la referai pas une deuxième fois, quoi. Prochaine fois, ben. Ils vont s'y coller pour réparer, parce que là, on n'a plus d'argent, quoi. Bon, bah, voilà. Ce qui devait arriver, arriva. On a 3000 simflous de factures et on a. Ben, pas de thunes pour les payer pour l'instant. Donc, va falloir trimer. Va falloir trimer tout ça. Louis, dépêche-toi de venir pêcher, s'il te plaît. Alors, friand d'amphibien, essaie d'utiliser une grenouille comme appât. Alors, débogage. Je pense qu'il y a un petit bug là, mais on a reçu un peu de sous des bouquins. Grenouille. Ouais, il y en a là. Chercher des grenouilles. Chercher des grenouilles. Il n'y en a pas d'autres. Tu pourrais en avoir un peu plus autour d'ici, ce serait sympa. Hein. Non, par là, on n'a pas accès. Ça, c'est le veto. Est-ce qu'il y en a sur cette petite place? Des grenouilles. Hein. Ah, ouais. Non, maintenant, c'est ce que je fais. Je sais plus. Oui, bah tant pis. Allez, tu vas chercher ta grenouille et puis... On va essayer de pêcher avec la grenouille. Voilà, grenouille avec un appât. C'est la première fois que je pêche avec une grenouille. C'est un peu dégueulasse, je trouve, de foutre une grenouille sur... On n'a pas, quoi. On va voir ce que ça pêche. Hein. Ah ben voilà, il a attrapé un nouveau poisson. Est-ce que c'est ça? Un gourami embrasseur? Peut-être, hein. Ah non, un tilapia. Un tilapia, d'accord. Bon, bah du coup... Ah oui, c'est ça. On va pouvoir essayer de pêcher peut-être avec un autre appât. Du combattant, parce qu'on en a déjà. On en a pas mal même. Un poisson-chat, ah ouais. On va refaire Véron. On va... Il est beau le poisson arc-en-ciel, hein. Il est rare. Ah ouais, non, bah, on va le vendre ou on va l'empailler, on va faire un truc. Et après, la butte plante va, j'ai envie de tester. Niveau 7 de pêche. Ça, c'est bon. Alors du coup, ça marchait pas trop, mais j'ai retenté avec la baie de plante vache. J'attends de voir si ça prend. Niveau 2 de la compétence communication, super.
est en train de babiller avec le chien. Oh, il a trouvé une caisse. Une amélioration de pièces de cuisine. Ah bah oui, on peut les vendre, ça. 186 flouzes. Allez, merci. On doit payer nos factures, donc ça risque d'être tant entendu du slipper. C'était quoi ce truc énorme? Bon, tu nous pêches des trucs sympas, s'il te plaît. Louis. Alors, Cybelle a terminé son nouveau livre. C'est parfait. Tu vas pouvoir auto-publier. Voilà. Ton livre. Ensuite, tu pourras aller aux toilettes et tu pourras manger. Comment va Frida? Elle a besoin aussi de manger. Bon, je lui ai fait faire beaucoup de qu'est-ce que c'est. Comme ça, on a... elle pourra pousser ses compétences. Ça pourrait être pas mal. Bon, on a Louis qui est fiévreux. Il va pas très bien. Ah, ça va s'en aller. Bon, tant mieux, parce que sinon... j'ai prévu de lui faire faire quelques petites choses. On va faire faire le cours... ouais, viens. On va lui faire faire le tour du quartier pour récupérer plein de trucs, parce qu'il faut payer les factures, quoi. Donc, c'est con, mais... Oh, on va reset short pour cette génération-ci, j'ai l'impression. Voilà. Il trouve un verron dans la terre, lui. Ah, mais ça m'a annulé toutes les actions et c'est cool. Voilà, donc je lui fais faire un peu creuser partout. Hein. On a récupéré quelques petites choses. Ce qui m'énerve, c'est que ça vient de... il vient de tout annuler, cet idiot. Donc, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Là, il devait creuser aussi. Bon, c'est pas grave. Bon, alors Lucie est venue nous faire un coucou. Tu vas éliminer sa journée, tu vas lui faire une petite blague, et puis tu vas donner un bain à Frida, parce que Frida, elle schlingue la mort, donc voilà. Ouais. Et puis aussi, ce serait pas mal que tu lui apprennes le pot. Si belle. Oh là là, là. Elle est encore énorme, hein. C'est franchement... Mais bon, j'espère que ce sera à juste titre cette fois-ci, pour pas qu'on galère encore à... avoir qu'un seul enfant. Alors, t'es en meilleure forme, Cybelle, tu vas apprendre à Frida aller au pot. J'espère qu'elle peut... vous pouvez y arriver d'ailleurs, parce qu'il est un peu dans le coin. Oh là là, il faut aussi entretenir les trucs. Toi, tu sais, tu peux pas le faire. Ah si. Tu peux récolter... enfin, arroser et tout récolter comme ça... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bon. Ça va aller pour le pot, ça va y aller. On va y arriver, on va y arriver. Je vérifie juste qu'ils aient assez de place. Ouais, nickel! Alors, on a notre truc de musique qui ne va plus, donc je vais le réparer. En tout cas, je vais demander à Louis de le faire. Et sinon, on n'a pas de sous! On n'a plus de sous, on est à la dèche. Et pendant ce temps-là, on va aussi vendre tout ce qu'il a. Même les poissons, tout. Parce que... voilà. 16, 112, c'est mieux. Poisson arc-en-ciel, il est beau. Hop. Ça, on vend aussi. Ça, on vend aussi. La grenouille, je vais juste la garder. Parce que on sait jamais... ouf, celui-là, il vaut cher. Ça peut être intéressant pour la pêche. Et hop, on vend aussi. Oh là là, il y en a qui valent le coup hein, quand même. Hein. Hop. Ah, ça, t'as 3 capsules. Ah, on les vend, on s'en fout. Et on n'y est pas encore, vous hein, voyez. Il peut pas encore faire de tresse d'ail, là, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? Toi, t'es fatigué. Faut que tu manges aussi, Cybelle. La petite, elle fait quoi? Aïe, 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 aïe. Elle a mis un pupitre de côté. C'est pas très grave. Si tu veux, tu peux t'intéresser où elle joue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça, non. Dormir, non. Tu peux rien faire avec ça. Et tu peux babiller, frapper, faire un câlin. Et rebabiller, peut-être. Quoi? Toi, t'es encore fatigué. T'es pas bien. Tu vas discuter un peu avec ta femme parce que ça t'a pas l'air d'aller au top. C'est ce que je viens de faire, mais bon, c'est pas grave, il est mis la journée. Oh, zut.
Conversation profonde. Et il savait pas encore qu'elle était jalouse. Bah écoute, maintenant tu le sais. J'ai demandé à Cybèle de devenir la compagne de Coco, puisque c'est dans son aspiration. Voilà. Ouais, 301 quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Ah, Nubi. Voilà, c'est cool. Toi, tu vas finir de manger. S'il te plaît. Oh, qu'est-ce qu'elle a pleuré, l'autre, là. Pff, tu vas aller utiliser les toilettes. Et après, on va coucher la petite. Babillage, non. Tu vas lire une histoire à Frida pour l'endormir. Et on aura la paix. Alors, Coco a faim. Oui, mais je lui ai donné à manger. Alors, tu lui fais une... Tu lui lis une petite histoire. Oui, tu vas bientôt accoucher, ma belle. Dans le prochain épisode. Tu lui lis une petite histoire et toi-même, tu vas être couché parce que, voilà, t'en peux plus. Coco, j'espère que t'es en train de manger. Voilà, parce que... Ah, on t'a mis des croquettes déjà depuis tout à l'heure. Et voilà, Cybèle Nette est partie se coucher. Bon, eh bien moi, je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode. Il ne se sera pas passé de grandes choses, à part que Frida a grandi et qu'on a commencé à voir sa bouille. Et le prochain épisode, ce sera la naissance de bébé numéro 2. Et j'espère aussi numéro 3 et peut-être numéro 4. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du challenge. Allez, salut.